Moi, j'ai l'air tellement endormie. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin, il est très tôt puisqu'il est à peine 9h et ça fait très longtemps que je ne me suis pas réveillée aussitôt. Très longtemps. Plusieurs jours. Ça fait également plusieurs jours que j'essaye de tourner une vidéo mais que j'y arrive pas en fait tout simplement. Déjà oui, excusez cette tête matinale, j'ai essayé de me maquiller un minimum pour pas faire trop peur mais ça marche pas. Comme je le disais, ça fait plusieurs jours déjà que j'essaye de filmer une vidéo mais que en fait j'y arrive pas parce que genre je sais pas, j'ai envie de faire des vidéos vachement positives et moi-même je l'étais pas et ça marchait juste pas en fait. Parce qu'autant la première vidéo que j'ai sortie c'était au début du confinement et j'arrivais encore à rester positive et là cette semaine j'y arrivais pas, donc voilà. Là ça a été une semaine un peu compliquée, surtout hier une journée compliquée et du coup je me suis dit ce matin pourquoi ne pas me poser sur ma petite terrasse à l'air frais, c'est quand même un plaid parce qu'il fait froid, et de parler genre librement de ce que je pense et de ce que je ressens. J'ai pas envie de mentir et en plus je pense que ce sera quelque chose que je regarderai plus tard et qui sera bien parce que ça montrera un peu genre comment je me sentais à ce moment là. Vous allez sûrement entendre des petits bruits d'oiseaux. Actuellement je suis en train de prier pour qu'aucun de mes voisins ne se réveille et ouvre ses volets parce que pour l'instant il n'y en a aucun qui est ouvert donc ça va, ils peuvent pas me voir. En fait cette semaine ce qui a été un peu compliqué c'est que j'avais envie de rien faire tout simplement. J'arrivais à rien, j'avais pas de motivation. Hier clairement ça a été la pire journée, j'étais hyper fatiguée alors que on fait rien en fait, donc pourquoi? J'ai passé la journée sur le canapé juste à regarder Netflix et à jouer à Animal Crossing et ça m'a saoulée en fait parce que je me suis dit mais pourquoi je suis dans cet état là? Et en fait je pense qu'il faut même pas se poser la question, juste tu peux pas être bien tout le temps. Là c'est la 4e semaine de confinement, je pense qu'on arrive un peu tous à saturation. Moi au départ je vivais ma meilleure vie, clairement en tant que casanière née. Moi ne pas sortir de chez moi ça me dérange pas, mais là ça commence à être un peu dur. Et du coup je pense que ça se ressent sur le moral et sur le fait que j'ai envie de rien faire à part être dans mon canapé et regarder des séries. En plus Disney Plus est sorti hier donc autant vous dire que j'ai pas trop envie de faire autre chose que ça quoi. Je dormais très bien au début du confinement, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, genre je me couchais vers 23h, je me levais vers 7-8h, c'était parfait. Et là depuis le, je crois que c'est depuis le changement d'heure en fait, je me lève à genre 10-11h et je me couche à genre 1-2h. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça et qui adorent ça. Moi je ne supporte pas, je déteste ça. Je trouvais que quand je me levais à 8h, ma journée était beaucoup plus positive et productive. Alors que là quand je me lève à 10h, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir loupé 2h de ma journée et c'est vrai. Ce matin je me suis réveillée à 8h donc j'en ai profité, je me suis dit vas-y je vais sortir et j'ai plus de batterie, c'est une blague. Là j'espère repartir sur un meilleur mood, essayer de me lever plus tôt, essayer de me poser. Là je me rends compte que genre vraiment ma terrasse le matin, meilleur endroit, il n'y a pas de bruit, il y a les oiseaux. Je crois que je vais me poser là pour genre lire ou même être sur l'ordi. Du coup comme je vous disais j'ai essayé de filmer cette semaine. J'ai filmé plusieurs trucs dans une vidéo, une espèce de vlog il y a 2 jours mais vraiment ça a été catastrophique. Parce qu'en plus mon appareil photo a fait des siennes donc j'ai fini à l'iPhone s'il vous plaît. Mais bon je vais quand même vous mettre quelques petits rushs parce que je pense qu'il y a quand même des trucs positifs à retirer de là-dedans. Donc je vous laisse avec ça. Bon, pour vous expliquer un petit peu, je vais vous faire une voix off sur l'image, c'est un peu plus sympa. Alors, ça c'est une commode que mon copain a depuis son enfance et elle a pas mal vécu, donc j'ai décidé de lui donner un petit coup de frais. Vous voyez le transat là où je suis assise? Je l'ai cassé avec mes fesses. Voilà. Est-ce qu'on le laisse comme ça? T'en penses quoi? C'est bien. Tu veux faire ça mon gars, jusqu'à 20h30 tu peux faire ça. Comme ça t'as la paix. Ouais. Je l'ai donc laissé tranquille tout l'après-midi en pensant son meuble et j'ai décidé finalement de le repeindre prochainement donc je pense que je vous filmerai ça dans une prochaine vidéo. Et ça du coup c'est le meuble après le ponçage. Alors ça c'est moi qui fais du ménage et du rangement en écoutant Squeezie et Dua Lipa, c'est tout, je pense que là il n'y a rien à rajouter. Alors là, c'est nous qui partons à la guerre, c'est-à-dire faire des courses. Et là, boum!
Petit effet de montage sympathique, on revient des courses et là vous voyez à nos têtes qu'on n'en peut plus. J'ai envie de mourir. Wow. Contre, après c'est PS4. Je veux rien savoir d'autre. Aujourd'hui on est le lundi 6 avril et on démarre la semaine numéro 4 du confinement, donc ça fait presque bientôt un mois. La semaine dernière j'ai testé une recette de marbré et il était mais hyper bon, genre vraiment trop bon. Là j'ai grave envie de le refaire et en plus il est tellement bon que je me devais de partager cette recette. C'est parti, on va faire un petit cooking with Lalu. Comment filmer des vidéos de cooking, mais quel enfer. J'ai mis la caméra là mais vous ne voyez rien. Si je le mets là. Oula oula oula. Bah non, vous voyez rien non plus. Non mais non, ça m'est... c'est pas beau. Alors ça, je vais vous mettre en accéléré parce que 1, c'était très long et 2, je me suis ratée sur la fin, donc je vous mets directement la recette en barre d'infos. Vraiment, je vous coupe la fin parce que c'était trop moche, j'avais tellement honte, mais le gâteau il est hyper bon, je vous le conseille. Voilà, bisous. C'est un parfait. Et surtout, faites pas comme moi, faites fondre le chocolat au bain-marie et pas au micro-ondes. Conseil d'amis. J'espère que ces quelques rushs vous auront quand même plu et que j'aurai essayé d'en tirer un maximum de choses parce que j'avoue que c'est un peu déprimant quand tu filmes et qu'en fait tu te rends compte que ça te plaît pas. J'espère que les jours à venir, puisqu'on est mercredi, pas la semaine, mais les jours à venir seront meilleurs et que le mood positif va revenir. Je pense qu'on n'est pas encore sorti de cette période. Je pense déjà à l'après-confinement et à mon avis ça va être très compliqué. J'y pense mais j'essaye de pas trop mettre ça dans ma tête parce que de toute façon on n'y est pas encore et que personne ne sait comment ça va se passer. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à garder le moral malgré tout. Surtout restez chez vous, prenez soin de vous, de vos proches, appelez vos grands-parents, très important. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré ma tête matinale, mais en tout cas il y a les petits oiseaux en fond. Ça fait plaisir. Et ma voix un peu endormie. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite.